Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de notre aventure horrifique sur Outlast. Alors je sais, j'ai mis du temps pour vous sortir cet épisode. Eh, soyez déjà satisfaits les gars, j'ai fait cet épisode. Fallait les faire, très honnêtement fallait les faire. Donc on avait fait une petite session en radeau comme ça. On avait ride un max hein, sur cette petite rivière. Et on avait perdu notre radeau qu'on doit maintenant retrouver. Et pour être très honnête avec vous... Hein? Ah d'accord. D'accord, pour être très honnête avec vous, je suppose qu'il est donc de l'autre côté, non? Attendez, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc il faut retrouver notre radeau et repartir en session radeau. Et il y a une petite phase à terre, je sais pas. Ah, voilà, 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 c'est bien là, ça va me mener encore vers un endroit profond et sincère. Je me dépêche de courir. Là-bas. Le radeau. Le radeau. Ah! Juste. La vache. Attends, c'était le mec qui était pendu, non? J'en suis quasi sûr, c'était le mec qui était pendu là, qui s'est décroché. Ou alors il était pendu en hauteur, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne vois plus. Ah, peut-être tout à droite. Ok, il faut aller récupérer. Il y a un gars chelou quand même, hein, qui traîne à poil dans la forêt. Oh putain, faites gaffe comme ça. Fils de pute. Ok, on peut enregistrer. Ah! D'accord. Vous lui avez fait ressortir ses intestins. Les boyaux. Il a plus de tête. Quel est ce sortilège? Ok. Alors attendez, on va voir un petit peu ce que ça dit. Ne bougez pas. Ça peut peut-être dire quelque chose d'intéressant. Tu es en tant qu'avertissement. Ou en tant que bienvenue. Nous sommes tous les bienvenus. D'accord, nous sommes tous les bienvenus, pourquoi pas. Pour... J'ai entendu quelque chose. Pourquoi pas. Ok. Oh, I love quoi. Ah. Oui. Ça va être terrible. Ça va être terrible ce qui va se passer. Ok. Faut aller où là? C'est quoi ce bruit? Ah putain ouais. Ok. Faut maintenir. On va se faire attaquer, on va se faire attaquer. Je pense pas. Ah non, pas du tout. Ok, c'est parti. On y va, on va éviter de tomber cette fois-ci. Hop, on maintient notre ligne. Rectiligne. D'accord, donc finalement il y a le pendu, j'ai rien dit. On peut pas enregistrer. Ok, on peut pas. Ah! J'aurais pas dû zoomer dessus! Quel est ce bruit ignoble? Vous entendez derrière, il y a une sorte de chorale. Où êtes-vous caché? Ok, on va récupérer notre bateau. Hein. J'ai peur. Ça vient, hein? Peut-être de ma mère que ça vient. Ça vient. Ça vient. Oh putain. Allez. Quelle est cette tribu étrange? Qu'êtes-vous messieurs? Ok, on se casse. J'ai pas envie de me retourner. Oh, je tente. Ah oui, bah je suis un gars à risque, hein. Ok, c'est bon. On est large. C'est qui ça? C'est des Amazones? Qu'est-ce que c'est? Des gens du village? Des gens du village malade peut-être? Ok, on est toujours pas arrivé à la mine, c'est terrible hein, les gars. Hein, pour arriver à cette putain de mine. Ça va être super long, je commence déjà à avoir la bouche pâteuse. Ah bah je vous le dis, hey, je vous ai jamais rien caché. Dès que j'avais la bouche pâteuse qui arrivait ça partait très souvent en couille. Ah, je me suis bloqué, c'est chiant. Ok. Donc je commence à avoir la bouche pâteuse, vous savez ce que ça veut dire. C'est à dire que le reste de la vidéo va être assez compliqué. Et en plus, j'aime pas trop les mines. Ça va, c'est pas mon pire cauchemar hein. Vraiment ce que je déteste le plus, je pense hein, dans tout ce qui est entre guillemets paranormal ou autre, c'est quand c'est des enfants impliqués. Et dans les écoles, forcément, parce que c'est dans les écoles. Souvenez-vous, Zombiou, à la célèbre maternelle, j'avais vraiment, vraiment pas envie d'y aller. Souvenez-vous, Resident... Il y a quelqu'un qui vient de sauter. Souvenez-vous, Resident Evil 7. Il y a quelqu'un qui vient de sauter encore. Qu'est-ce que c'est? Ah mais oui, mais il saute. Souvenez-vous, Resident Evil 7, les amis, dans la chambre de la gamine, c'était le pire truc ever, vraiment. Ok, on va à la gauche. Allez, va à gauche. Oh, je déteste ces bruits en plus, là. Sorte de chorale. Casse-toi! Je suis bloqué! Jeu de merde! C'est bon, ok. Mais oh là là, la pire phase ever, hein, vraiment. Alors, eux, c'est quoi leur projet? Ils m'accompagnent à la mine. Ils me souhaitent la bienvenue, comme on disait tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'il y a les gars? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre problème? Déjà vous courez à poil si vous êtes oh putain, oh, ça va vite. Oh, je ne maîtrise plus rien. Oh ça va beaucoup trop vite, on rentre en hyperespace. Ah, laissez-moi tranquille. Quoi? Quoi? C'est pas moi qui dirigeais la ville, hein. Si vous voyez pas grand chose. Voilà, c'est la mine. La mine. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien lui faire? Dans une mine, je vois pas trop. Est la merde qui tient. Moi, appeler le père. Je peux pas. Ça fait des mois qu'on l'a pas. C'est pas possible. D'accord, c'est très bizarre, effectivement. Là, on part sur une histoire de viol, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Je pense que... Oh putain... Qu'est-ce donc ça, là? On dirait un bâtiment... Ah non, c'est les cheminées de la mine. D'accord, je pensais que c'était un bâtiment... Ah, je suis bloqué. Ah, c'est chiant. Ah, c'est très très chiant. Ok. C'est chiant, j'ai dit. Il faut partir. Je suis bloqué. Là, sur ma vie, je suis bloqué, les gars. Une écharde me bloque. Dans ce putain de caillou. Mais je suis bloqué. Oh putain. Vraiment pire session de gameplay ever. Pourquoi vous avez fait ça, les mecs? C'est inintéressant au plus long point. En plus, non mais gros. Ah. Ah. J'ai peur. Oh putain. Ils sont derrière moi. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Poubelle qui fait du bruit. Oh non. On est de retour à l'école. Qu'est-ce que les sous? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Ah. Ah, il est derrière. Ce subterfuge, ah c'est horrible. Il va m'attraper. Il est où? Ok, il est plus là. Oh putain, j'ai le cœur qui palpite. Regardez mes pupilles. Mes pupilles, bah la chamade. Bon, ok, je suppose qu'on est dans la piscine, hein, bien évidemment. La piscine de cette école. C'est terrible. Est-ce qu'on peut passer par ici? Je déteste ce truc qui nous suit. Hein. Il est ignoble, hein, vraiment. Hein. Ok, donc là-bas, c'est fermé, donc c'est là-haut. Bon, on est de retour dans l'école. Ah, faut aller dans les toilettes. Ça va être chiant. Et comme par hasard... Alors, il y a des toilettes allumées, des toilettes éteintes, hein, vous l'aurez compris. Ah! Ok, on va enregistrer cet amas de sang. Beaucoup de sang. Énormément de sang. J'ai peur de ouf. Hein. Se cacher. C'est pas une bonne idée. Oh putain. Les gars. Ok. Je vous avais dit que j'avais la bouche pâteuse. C'était très mauvais signe. Je vous l'avais dit ou pas les mecs? Allez, on va sortir. C'est terrible. Oh putain, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Est-ce qu'on peut se casser? Non, forcément. On ne peut jamais se casser dans ce jeu. Il arrive. Ah. Putain, les gars, non, c'est horrible. Je peux pas. Franchement, je vais retirer le casque, je crois. On va faire ça sans casque. Ok, on va faire ça sans casque. Honnêtement, les gars, mettez le son si vous voulez. Mais je vais faire cette petite phase sans casque parce que je vais me chier dessus. Et c'est limite encore pire quand il n'y a que de la lumière. Oh putain. Oh putain. Cette gamine qui court, ok. En fait, la gamine, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Je crois qu'elle est partie tout simplement dans les toilettes pour hommes.
Là, je suis sûr, on va voir des trucs. Hein. On va voir des trucs, les gars, là-haut. Ok, donc bah on va dans les toilettes pour hommes. Il arrive, hein, on va y aller. Hein. On est yo les gars. Ok, yo les gars. On va prendre nos vies. Hein. Évidemment, j'ai le son, hein, je partirai. Oh putain. Oh putain. Je cours. Je cours, j'ai rien à foutre. Oh, c'était qu'une lumière. Ok, c'est verrouillé. Ok, il est là. Ok, je ne sais pas où aller. J'ai extrêmement peur. Putain de merde! Fils de pute! Ah, ça lâche des fils de pute. Merde. Ok, ça lâche des petits fils de pute. Y'a plus jamais. Y'a plus aucune pression. Ok, donc on retourne en arrière. Faut aller en fait à chaque fois qu'on le voit. Quoi? Faut partir dans le sens opposé et revenir en arrière. Oh, y'a peur. Ok. Je prends une pile. Ok, ok, ok. Je ne sais pas du tout où ça mène. Là, 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 ça fait des trucs chelous, là, les trucs que je déteste. Ok, il y a une croix, il y a un PC. Ah non, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Wars, peut-être. Ok, non, j'essaye de voir. Je vois pas ce qu'il peut y avoir écrit. Ok, on verra plus tard, on verra plus tard. On se casse, on se casse, on se casse. Oh putain, on va recharger, hein. On va recharger calmement ou pas? Je pense qu'on va recharger calmement. Déjà, on va partir par là. Ok, on peut toujours pas. On va recharger calmement. Les gars, tout va bien, respirer. J'espère que vous êtes en bonne compagnie avec moi. Ce jeu est toujours aussi ignoble, n'est-ce pas? Je me casse. Plus vite possible. Ok, donc, c'est bien ce que je pensais. Faut partir par là où il est apparu. Oh là 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 là. Ignoble. Vous entendez ce bruit? J'évite de courir parce que il y a quelque chose qui va me stopper dans mon élan. Là, il y a un truc qui va passer, là. Il y a un truc qui va passer, putain, je vous préviens, les gars. Ok, rien n'est passé. Incroyable. Ok, on va éviter de regarder. Oh, putain. Merde! Blake! Y'en a qu'on prend pas? Y'en a qu'on prend pas? Ça fait peur, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau, mais c'est moche. Putain, il m'emmène où? Il m'emmène où? Laissez-moi tranquille. Non, j'y vais, je veux pas regarder. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Oh putain, on est reparti en haut. Oh là là. Ok, là on passe à du bois, c'est une transition. Donc je suppose qu'on est à la mine. Ok, là on monte à la mine, là, à mon avis, hein. Ok, c'est bon, on a réussi encore la nouvelle phase dans l'école. Nouvelle phase assez terrible. Quoi? Quoi? Une pluie de sang? Une pluie de sperme? Quel est donc ce sortilège? Oh putain, c'est chaud. Et la lune... Ok, on va l'enregistrer. La lune est rouge. Lune sang, la lune de sang. Très bizarre. Très très bizarre. On va regarder la vidéo. Peut-être qu'elle va nous dire quelque chose. On va aussi regarder la vidéo qu'on a prise dans l'école. Vous savez à quoi vous attendre. En tout cas, c'est très beau. Vraiment bien fait. Voilà, je tenais à vous féliciter, les gars. On a l'impression de discerner un tout petit peu plus. De plus en plus ce qu'il dit. C'est très bizarre. C'est très étrange. Ok. Une pluie de sang. Qui coulait de ses chaussures, je crois. Non. Non, j'ai juste... J'ai évité de marcher dans le sang pour ne pas laisser de traces. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, il a assisté au meurtre de Jessica. J'ai pas envie de dire n'importe quoi.
Et il a peut-être rien fait et donc elle lui en veut, je sais pas. J'essaye d'interpréter les choses. Ok, on est donc à la mine, on est de l'autre côté du pont, hein, vous l'aurez compris les gars, vous êtes pas cons. Toujours la petite bouche un peu pâteuse, ça fait plaisir, mais là ça va. Là ça va, il y a du sang, on se fait plaisir. On n'a pas peur. Ah bah là si t'as soif, t'as juste à lever la tête et t'ouvres la bouche, hein. Okay. Là il y a quoi là, on peut ouvrir? Waouh. C'était pas fermé, hein. Eh hey. Là tu t'es foutu de ma gueule, c'était pas fermé mon sauce, hein. La porte est centre-ouverte. Ok. Oh, Golgotha. Quel est ce... Je ne veux pas vous déranger en aucun cas. Ok. On a toujours des trucs à faire là. C'est chiant cette nuit. Elle est bien faite, hein, mais elle est chiante. Hein. Je me demande d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est juste un filtre. C'est très bizarre. J'ai pas l'impression que ça a été modé, que c'est juste une sorte de... comme un petit nuage qui nous suit au-dessus de notre tête. Juste un filtre posé. Je me retourne pas. J'ai peur. Adieu. Oh putain. C'est terrible. Ok. Donc on va se cacher là-dedans. Wow. Ok. Une chose est sûre. Il se passe des trucs mystiques dans cette putain de mine. C'est pas ouf. Ah oui, d'accord. Donc la tête est tombée. Elle appartenait à qui? Je connais pas. Ok, on peut continuer. C'est par ici. Oh, je sais pas du tout. Oh putain. Ok. Donc il y a des gens dans la mine, hein. Vous l'aurez vu. Et vous l'aurez compris. Ok, là normalement, censé y avoir des bandages, je pense. L'entrée de la mine est généralement à l'étage supérieur. D'accord, ah toi tu veux rentrer dans le train de la mine. Alors il faut savoir que là je suis full bandage. Ok, on se cache. Il a dit mon dieu, c'est les deux mots, ça m'a suffi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a quelqu'un? Ok, donc normalement il y a un ennemi par ici, je suppose. Ok. D'accord. C'est la musique, hein, qui fait que je reste planqué, hein. Monsieur. Ok, on va monter calmement. Oh putain. Faites ce bruit. On va passer par là. Oh putain. Ah! D'accord. Ça va être bien chiant. Ok, je me tue les gars. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais juste que je vais en prendre plein la gueule. Oh putain. Avant que l'ennemi déchire son ventre. Mais... Merde! Ils nous ont tués! Lynn! Les méchants ont été tués! Partez! Nous devons partir! Il faut y aller! Quoi? Monsieur? Ok. Ok. Très bien. Très bizarre. Oh non. Ok, on a un rétroprojecteur. Oh non. Bon, on va terminer cette phase et on va s'arrêter évidemment ici, n'est-ce pas? Ok, il y a des trucs un petit peu partout. Donc là, on est dans la bibliothèque. Hein. On va faire toutes les pièces du monde. Ça va être très sympa. Ok, là on peut ouvrir. Ok, on peut ouvrir. Oh putain. Je déteste quand ça fait ça. Là on peut ouvrir. Ok, on peut ouvrir. Et on peut même ramasser cette putain de pile. Et il y a une télé.
qui s'est éteint. Il y a une putain de télé qui vient de s'éteindre. Ok. Là, on peut ouvrir. On peut ouvrir. Ah, j'ai tellement hâte déjà de quitter cette école, messieurs. Ok, là, il n'y a rien. On va revoir. Et si on revoit un pendu comme ça en zoom Je rage quitte la vie, hein, je vous préviens. Illico. Ok, on va passer par ici. Hein. C'est le seul truc ouvert. Alors, attendez. D'accord, là, on peut rien faire. C'est l'accueil. C'est l'accueil du CDI. Quoi? Ok, là, on peut ouvrir. Là, il n'y a rien, je suppose. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut sauter par-dessus? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non. Bien triste. Ah, si. Ah, je t'ai vu, coquin. Oh, la coquine. Ok. Plus de place. Bon. Niveau soin, on est très, très bien. Ok, que se passe-t-il? On va changer de pile. Ah! Ok, une chaise. C'est rien d'autre qu'une chaise. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Un rétro. Ok, on continue. Toujours une chaise. Oh putain. Arrête, c'est horrible ça. D'accord, là, on n'a rien. Ok, là, on n'a rien. On va revoir la gamine hein, qui va cavale. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Ok. Je me dépêche de tourner la vue parce que c'est... Oh putain, il y a le PC animé. Il y a le PC animé. Yo, mon sauce, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je te vois écrire sur l'écran. Tourne-toi. Oh putain. Oh putain. Tourne-toi, elle a dit. Oh putain. C'est bizarre, je te vois écrire sur l'ordinateur. Tourne-toi. Elle est là. Ah. M'en fous, j'ai pas envie. Y a pas envie. Ok, allez go. Putain. Putain. J'ai fermé les yeux, je vais pas vous mytho les gars. Moi je vous mytho pas, je vous dis la vérité, j'ai fermé les yeux. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que vous avez vu. Mais moi en tout cas je l'ai pas vu et ça me va très très bien. Ok, on peut plus partir. D'accord, donc je suppose que Jessica était apparue donc derrière. Et va falloir aller là où elle a été. C'est-à-dire là-haut. Ok. Ah bah les gars, j'étais obligé de fermer les yeux. Oh putain. Oh quoi? D'accord. Je peux te voir. C'était quoi sur ton écran? Oh putain. La fenêtre que tu as fermée tout à l'heure? Rien, je bidouille. Je ne sais toujours pas trop comment cet ordi fonctionne. Je peux t'aider quand tu veux. Lynn te fait coucou. Communauté, soutien, espoir et prière. Oh putain. Oh putain. J'enregistre. J'enregistre, c'est un bug informatique, je connais bien. Je connais bien. Faut enregistrer vite, c'est chiant là par contre. Les records, ils durent de plus en plus longtemps avec vous les potos. Ok. C'est bon. Ah! On va passer par ici. Oh. L'angoisse. Ok, maintenant par ici. On est toujours près de la piscine. Hein. On les fait étape par étape. Je peux ouvrir, c'est verrouillé, évidemment. Quoi? Qui a parlé? Ah putain! Ah putain! Qu'est-ce que tu fais dans la piscine? Elle va dans les toilettes. Elle a sûrement ses règles vu ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, madame, vous avez pris le mur. Ça va? Ok. Ok, on va passer par ici. Là, c'était des très longs chemins. Ok, Excite. Oh putain, là, c'est ouvert. Oh là là, c'est terrible, les amis!
It's terrible. Ok. D'accord. Il n'y a rien dehors. Ok, je suis venu juste pour ça. Oh putain. Une équation. Si vous avez le temps, les gars, n'hésitez pas à la résoudre. Ok. Là, il y a une porte ouverte. On est à la pub. Oh là là. Ok, on y va, c'est par là. Hein. Nous sommes pas seuls. Oui, je sais, j'ai compris. J'ai compris qu'on n'était pas seuls, t'inquiète pas, mon pote. Mais pourquoi, putain, mais c'est quoi ce... J'aimerais vraiment savoir tout ce qui se passe derrière ce... Ouvre pas une porte comme ça, c'est chiant. Ah, ça a verrouillé. Faut que je refasse le tour, donc. Je comprends rien. Je comprends rien, donc faut que je refasse le tour. Je crois qu'il fallait laisser ouvert que ça s'ouvre que dans un sens. Ok, je confirme. Et fallait que je descende. Fallait que je descende à la piscine. Donc on est reparti. On va réouvrir. Voilà, c'était un petit tour, hein. Ok, maintenant faut aller en bas. Putain, mais c'est pas vrai. Mais c'est un malade, le mec. Moi, je fais un rêve comme ça. Enfin, un rêve, pas un rêve. Je m'enferme, je bouge plus jamais, quoi. Oh putain! Il court trop vite! Oh putain, mais c'est terrible! Ok, va falloir refaire un tour encore, je suppose. Quelle est cette horreur? J'ai quand même pris le temps de zoomer, histoire de. Tu vois, histoire de voir si je suis sûr de voir ça. Ok, on se casse. Ah, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ok, comme je disais, on se casse. Il est plus là. Donc on y retourne, tout simplement. On a. Ah, ah. Ok. Et ça sauvegarde. Et nous revoici donc dans cette petite mine aromatisée. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire si cet épisode 8 vous a plu. Il était assez ignoble. Hein. Il était assez ignoble. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 9. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.